Bonjour et bonsoir tout le monde. Et bienvenue. Je vérifie quand même que tout ça filme. Oui, c'est bon. Bienvenue sur, une nouvelle partie de Hotline Miami 2. Bande de foufou. Voilà, on est marave, on a trouvé le bon endroit. C'est n'importe quoi ce qu'on fait là, mais c'est pas grave. Et venez. Voilà. Un petit égorgement. Voilà. Ok. Wouah. Je l'avais pas vu celui-ci. Allez. Oh, les caliente. Voilà. Ah merde, ils peuvent franchir le parapet par là. Aïe. Il y en a pas d'autres? Si. Oh le salaud. Oh putain, mais bloque toi, vas-y. Salaud. Ah, on va gérer. Je vais faire un peu plus attention en fait. Ah, il y avait un gros. Ah ouais. Ah
Putain, les pattes. Ah ouais, ouais. Passe. Oh, c'est pas vrai. Voilà. 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 Genre. Bien sûr. Bien sûr. Merci. Je vais attendre que le dernier applique. Mais oui, mais bien sûr. Ouais. Ouais. Bon, c'était pas ça qu'il fallait faire. Si. Si, à l'armoyure. Oui, bien sûr. On peut faire, par contre. C'est là. Ces trois-là, on va les attirer. Allez, venez. Tout à fait, Thierry. Allez. Allez. Voilà. Voilà. Ouais, salaud, bah. Un mec au corps à corps aussi, ça me perd ça, c'est dégueulasse. Bien. Voilà. On
a nettoyé cette centrale électrique. Ah non, c'est pas fini. Ah là, l'horreur, c'est pas fini. L'horreur, c'est pas fini. Ah, mais d'où il sort cela? Un gros lourdeau. Salaud! J'ai même pas pris une balle. Oh, elle a pas pris son coup. Ah putain, mais ils sont partout! Dieu! Tu peux mourir aussi, tu sais. De s'occuper de cela là. Déjà. Ensuite, voilà, viens par là. Voilà, viens par là. Merci. Ah, c'est les deux roues. Viens par là. Voilà. Ensuite, le gros lard. Prends tes balles. Beurre. Merci. Là, vous mourrez. C'est bon. Il a pris ce bail, c'est bon. Hop, on recharge et on se concentre. Prends tes balles aussi. Ça, ça va, c'est un petit au corps à corps. C'est du cul, ça. Parfait. D'accord, une fois que je rentre, je peux ressortir. C'est un concept, voyons. C'est un concept. Ouais, bah là. Alors, faut que je me tire vite fait ailleurs. Mais le gros, c'est chiant, hein. Thank you.
Oui, je peux le tuer avant d'entrer. Bon, on va essayer d'attaquer le gros. Parce qu'il me reste d'armes, ça va être compliqué. Meurs, meurs, meurs. Il était mort ou pas, parce que je me suis fait baiser à la fin par... Autre chose que la sentence, quoi, si je veux dire. J'ai pas mort du tout, je me suis munifié. Un concept, ce que j'ai fait faire. Plus d'armes que moi. Y'a peut-être moyen de tenir quelque chose. Y'a peut-être moyen de tenir quelque chose si je repasse en arme comme ça. Peut-être. Ouais, non. Parce que il y a un connard qui va m'abattre. Quoi qu'il arrive. On va voir si je fais ça. Ah, ça pourrait passer. Ça pourrait passer. Après, je veux bien faire ça et me casser. Du coup, bourrer dans le tas, mais... Ah, on a le gros, mais alors... Saigne. Pas mal. Pas mal du tout. Ah. Bien joué. Cassé déjà ? Merde, j'avais pas vu que j'étais encore en vie. Chier, le cadavre c'était moi.
Voilà. Ouh. Ascenseur. Et dis donc, cette mission, elle n'en finit plus. C'est la dernière mission, j'espère, du jeu, quand même. Alors, j'ai utilisé, là. Alors, vraiment, ce que j'ai utilisé. D'accord, ok. Sûr. Parfait. Bien. Égorgement en règle. Bien. Parfait. Non, j'aurais pas dû gorger. Chier. Là non plus, j'aurais pas dû gorger, mais bon. On est en début de partie, c'est pas bien grave. Mais je voulais pas rentrer. C'est sensible. Voilà, il y en a un qui était pas mort. Je l'ai eu, le petit filou. Bon, lui, claque. Lui, claque. Ah, oh, c'est chier. Pas vraiment chier. N'importe quoi. Il
Voilà. Ha. Bon de troufignon. Mais bien sûr. Et bien sûr. On chante, ça nous donne du courage. Bien sûr. Attention. Bah on a gagné. Aïe, je vous jure. Et bien sûr. Mais bien sûr. Pourquoi changes-tu d'arme? Pourquoi fais-tu des cons? Je ne sais pas. Le karma. Ah, c'est certainement le karma, oui. Le trophée karma qui apparaît. À ce moment-là, trophée karma. Qui me donne la réponse. C'est le karma, voilà pourquoi tu es une merde. Ah, bah oui, tout s'explique, effectivement. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Pourquoi pas? Non, tu meurs. Voilà. Ça, de ce côté-là, c'est fait. C'est pas temps de tuer. Les autres. Un petit double égorgement, c'est pour moi, ça fait plaisir. Ah. Attention, on tient pas parti. Voilà, on l'a eu. Ouh. On a accompli la mission, on peut partir, on peut quitter l'aréa. C'est cool. Go. Voilà. On dirait que leur chef est devenu dingue. Ça ne plus à rien d'y aller, si. Les gars, on a intérêt à se dégager d'ici, fils. Oh non, on a deux sont morts. On va vous aider, les gars. On va prendre cet ascenseur. Il nous reste 50 secondes pour partir. On a perdu notre pote Black, déjà. C'est pas par au poil.
Imagine, faut recommencer toute la règle, se prendre de chemin, quoi. Ah, ça serait horrible. C'est par là, les gars. Vas-y, 30 secondes. 30 secondes, on peut le faire. On peut se sortir de cette escapade. Allez, Emily. Je m'appelle Ben Smith. Ma voiture est tombée en panne. J'ai besoin de... Vous pouvez répéter? À vous. Je m'appelle... Putain, il me faut une évacuation d'urgence. Je suis au 1942e Nord, 155 28e Ouest. Et mettez le turbo, il va perdre tout son sang. Et on va l'aider, bien sûr. Tiens bon, petit, ils arrivent. Pas la peine de me remercier, petit. Ça m'a fait plaisir. Et puis tu aurais fait la même chose pour moi, non? Je crois que j'entends l'hélico qui arrive. Tiens, prends ça, histoire de pas oublier qu'il t'a sauvé les fesses. Vous obtenez le flamethrower. 18h27. Désolé de l'apprendre, c'est toujours un choc. Bah ouais. Vous savez ce qu'on dit, le temps guérit toutes les blessures. C'est vrai. Alors vous vous souvenez de cette photo dont on a parlé, celle à Hawaï? Finalement, vous en aviez envoyé une copie. Ok, à la prochaine, quand vous voulez. Je crois qu'il se passe quelque chose dehors. Je vais aller voir, d'accord? Ok, à plus tard. Salut. Et oui, c'est lui qui tenait la boutique dans Hotline Miami 1. Stop. FFW. Accélération. Play. Acte 5. Intermission. Il y a bien un acte 5. Je vois. Téléphone. Allô, ici Evan. Bonjour, ici. Vous avez parlé à ma mère. Elle m'a demandé de vous appeler, elle a dit que vous vouliez me parler. C'est au sujet du psychopathe masqué, c'est ça? Exactement, et j'espérais pas vraiment que vous m'appelleriez. Mais si vous avez le temps, j'aimerais connaître votre version de l'histoire. J'ai tout mon temps pour parler, mais pas gratuitement. Voilà, il me faut un billet d'avion, je sais que c'est beaucoup demandé, mais je vous assure que vous serez pas déçus. Alors vous acceptez? Je peux rien vous promettre, mais si votre histoire est à moitié aussi intéressante que vous le prétendez, je verrai ce que je peux faire, d'accord? Faut bien. Alors, par où vous voulez que je commence? Par le début, je cherche à avoir une vision d'ensemble. D'accord. Bon, tout a commencé avec ces messages bizarres sur mon téléphone. Au départ, c'était assez clair, on me demandait de faire des choses. Pas grand-chose, appeler certains numéros en laissant des messages incompréhensibles. Me balader dans la ville en peignant des marques à certains endroits. Des marques? Ouais, un cercle barré, trois lignes. Mais j'ai pas fait ce qu'on me demandait, je croyais que c'était une blague. Alors au bout d'un moment, les messages sont devenus menaçants. Puis quelques jours plus tard, ma voiture a brûlé pendant la nuit. Et j'ai reçu un nouveau message sur mon répondeur disant que je ferais mieux d'obéir, ou que sinon il arriverait des malheurs. Vous avez un nouveau message. Salut, ici Suzanne des pompes funèbres de Miami. Nous comptons sur votre visite aujourd'hui pour les funérailles de Madame Rosaberg. Passez quand ça vous arrange. Nous sommes ouverts toute la journée. Nos bureaux sont sur la 139e Nord-Est. Clic. Ok. Bonjour maman. Bonjour mon chéri. Qu'est-ce qui va pas? Tu as pas l'air en forme. Oh, c'est rien. Tu as bien dormi? Tu veux que je te prépare un petit déj? J'ai pas faim mon chéri. Tu sais, j'ai fait un rêve très étrange. Tu étais assis sur une île avec ton père. Vous étiez silencieux, vous regardiez la mer. Tout était très tranquille, mais il y avait quelque chose dans l'air. Quelque chose de terrible allait arriver. Quelque chose de terrible? Je sais plus. Je sais plus ce qui s'est passé. Ça devait pas être si grave, finalement. Écoute, maman, je sors un moment, ok? Je te ferai le dîner en rentrant, d'accord? Entendu, mon chéri. Je me sens encore très fatigué. Je crois que je vais faire la sieste. Donc il faut que je sorte. Et donc la voiture est carbonisée, donc obligé de prendre le transport en commun. 17 scènes, First Blood. Thank you.
dehors là. Ah, mon fusil à pompe a fait de l'effet. Mon fusil à pompe aussi. Ouais, il y en a beaucoup, mais. Plus d'armes, mon gars. À un moment donné, tu vas plus avoir de mine. Voilà. Oh, joueur. Nous en étions à la fin. Salaud. Salaud! Dit de pas prendre ce putain de fusil à pompe. J'ai mal au doigt en plus, ça fait brûler avec toutes les frappes au début. Hein. Ah ouais, forcément. C'est pas vrai Bourré, bande de chiens.
Merde. Oh non! Pourquoi? Pourquoi j'ai pris le fusil pour programmer? Pourquoi? C'est une erreur fatale que voilà! Ne prends pas le fusil à pompe! Ne prends pas le fusil à pompe! À pompe! À pompe! La pompe! Ne prends pas le fusil à pompe! Pompe. Ah, Charles. J'ai pas aimé le goût de la viande. Je sais plus parler. Frappe. Hey, oh, the tiger. Tin. Trop tard. Tin. Trop tôt. Tin. Passé. Tin. Bon, ça commence à faire chier d'avoir un handicapé pour jouer. Ça fait chier, ça fait chier. Hop. Hop là. Hop. Hop là. Hop. Hop là. Ouh. Voilà. Et hop là, voilà, c'est pour moi, ça fait plaisir. On monte. J'aurais dû garder mes points, les petits points. Ok. Bon, ça a l'air. Voilà, level clear. Ouh. Joie. Procès réussi, parfait. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais faim, mais j'ai eu envie de me préparer quelque chose. Je peux me débrouiller seul, tu sais. C'est pas la peine de te faire tant de soucis pour moi. Tu sais que le docteur a commandé que tu ne bouges pas trop. Ça m'écale ce que le docteur a dit. Je suis pas encore morte, il me reste encore assez d'énergie pour me battre. Oh, ça peut pas attendre. J'espérais que tu pourrais me donner un bain, je suis frigorifié. Désolé maman, je t'aiderai à prendre ton bain quand je reviendrai, ok? Si tu veux. Qu'est-ce que tu as de urgent à faire? Un autre entretien d'embauche? Je suis sûr que tu seras pris cette fois. Oui, enfin, te fais pas d'illusions. Hein. Je vais avoir du mal à retrouver du travail. Tu es un jeune homme si intelligent. Ils ne savent pas ce qu'ils te perdent. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu finiras par trouver. Ouais, bon, il faut que j'y aille. Je reviens dès que possible, ok? Vas-y vite, allez mon chéri. Ne sois surtout pas en retard. Et ne t'inquiète pas pour moi, je peux me débrouiller. Vous avez un nouveau message. Allô, ici Andrew de chez Paquet Express Service. Vous avez des colis à livrer à la 144e rue Nord-Est à 20h. Les colis sont fragiles, ne les manipulez qu'avec le plus grand soin. Ne soyez pas en retard et n'oubliez pas de mettre votre uniforme. Clic.
transport en commun à nouveau. Dix-huitième scène. Démolition. Bon, on va s'arrêter là, du coup. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine partie.